Quand on travaille avec des adolescents ou des jeunes adultes, une chose aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que même s'ils ont eu des difficultés d'apprentissage, ils ont appris un certain nombre de choses. Parfois, cet apprentissage s'est fait avec des règles erronées. Pour prendre un exemple, pour essayer d'expliquer les choses, avec les adolescents sévèrement dyslexiques ou les jeunes adultes illettrés, on se rend compte que parfois, quand ils lisent, ils ont tendance à bien identifier le début du mot et à deviner la fin du mot. Et en général, quand ils devinent le mot le plus fréquent commençant par la même syllabe. C'est ce qu'on appelle la théorie du point masculin. Et en fait, c'est une erreur d'identification de mots qui, lorsqu'ils lisent des textes, vont les conduire à une absence de compréhension du texte écrit. Et donc, avant de travailler les apprentissages avec des techniques, on va dire, plus classiques, concernant l'apprentissage de la lecture, il faudra finalement leur désapprendre cette méthode qu'ils se sont développés chemin faisant et apprentissage faisant. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre quand on accompagne, d'un point de vue technique, des adolescents ou des jeunes adultes en difficulté. Parce que finalement, si on n'a pas conscience de ce qu'ils ont automatisé en partie, on aura du mal à les aider, alors qu'il y a toujours une plasticité qui est présente à l'âge adulte et qu'on peut faire des progrès même à l'âge adulte.